Mesdames et messieurs, bonjour, ici Gloopy Chester. Merci d'être fidèles à notre émission. Les nouvelles du jour. Une nouvelle disparition a été signalée l'année dernière. Soyons de rester bien vigilants. Olaf Hudson cartonne avec son dernier film, Je vis, je meurs. Le film a engendré plus de 100 000 entrées ce week-end, ce qui est un succès phénoménal. Musique, Will Elson a fait un flop avec son dernier album, La vie d'un autre, alors que son dernier projet était certifié disque d'or, avec plus de 73 000 CD vendus. Météo, aujourd'hui le temps est gris noir, difficile d'y voir, la pluie coulera à flot, les nuages seront présents et le soleil sera absent.
Dan, ici Gloopy Chester. C'est avec grand regret que nous avons appris la disparition du chanteur Willie Nelson la nuit dernière. Nous recevons son producteur, Tim Pilocu. Bonjour Chester, merci de me recevoir. Oui, effectivement, c'est une grande perte pour nous. Nous avons toujours cru en lui, nous l'avons soutenu toute sa carrière, toute sa vie. Et en son honneur, nous voulons faire une veillée pour sa mémoire, où tout le monde est invité à nous rejoindre et à venir écouter ses derniers tubes et ses derniers CD. Oui, les ventes du défunt vont s'accroître durant les prochains jours, alors n'attendez plus et rendez hommage à notre compatriote parti trop tôt en vous procurant son dernier CD.